On est à Toulouse, c'est Family Pickers et on est aujourd'hui avec Gilles et Cécile Rieux. J'ai toujours eu une grande sensibilité à l'art et après j'aime écrire aussi de manière jusqu'à présent très personnelle, donc il y avait vraiment des moments où j'écris mais j'avais jamais eu des clics pour écrire. Enfin voilà, écrire sur une toile et de passer à ce mode d'expression que mon père ici présent, avant était éducateur spécialisé, puis est devenu peintre. Et donc dans la maison, petit à petit, on a vu se rajouter un petit peu de la peinture, des toiles. Un soir, on s'est dit, bah, tiens, si on faisait une toile. Et en fait, c'est parti un peu d'un petit. De manière assez naturelle et où on a commencé à écrire, à peindre sur cette toile-là. En même temps, donc, on travaillait vraiment à quatre mains, on discutait, il y avait un peu ces toiles de fond et après la partie imaginaire. Après, si tu veux, il y a le plaisir. Ce qui fait qu'on arrive à 13, c'est qu'une, mais c'est pas satisfaisant, parce qu'il y avait le plaisir au-delà du sujet qu'on avait fait, bon, mais il y a la complicité père-fille et le plaisir d'être ensemble. On parle de l'œuvre d'art en général, c'est un lieu de rencontre à celui qui l'a fait, ce qu'il regarde. Donc ça fonctionne un peu comme un miroir de l'âme. Mais on dit, mais ça vous renvoie à vos émotions. C'est pas une coquetterie, mais toute toile est terminée une fois après avec Cécile. Nous, ça nous appartient plus. Et comme ça fonctionne comme une grande bande de dessinée éclatée, nous-mêmes, on peut se raconter des histoires au même titre que vous, et pas plus. Pas plus. Mais c'est tous les mystères de la création. Et donc, plutôt que de parler du contenu de ce qu'on a voulu marquer, de parler plutôt de ce qui était à l'origine. Il m'arrive de passer des nuits entières où j'ai dit je peins, mais peindre, c'est pas tout le temps d'avoir le pinceau la main. Tu peux passer 3 ou 4 nuits sans rien faire, à tourner en rond, à te morfondre et tout, mais t'as les choses qui surgissent. Il faut vraiment un sas de décompression au moment où t'arrives et où tu lâches vraiment. Et c'est fou cette disponibilité créative, artistique, qu'il faut du temps. En fait, quand tu travailles, t'es tellement pris dans autre chose où ton cerveau est pris qu'il faut un temps d'enlever toutes ces barrières. Voilà. Et après, une fois que tu accèdes à ça, là ça va mieux. Sinon, tu bloques et tu arrives. Voilà, c'est très important ce que tu dis, parce qu'il y a une notion qu'on a complètement oubliée à l'heure actuelle, notamment dans l'éducation qu'on donne aux enfants, c'est la notion d'ennui. Oui. Il faut savoir qu'il n'y a pas de création, qu'elle soit artistique ou scientifique, sans ennui. Exactement. Pourquoi? L'ennui, c'est le moment où tu déconnectes à ce que tu fais, que tu es confronté à toi-même, donc à ta propre découverte, et c'est à partir de ce moment-là que tu ne parles pas de ce que tu sais et d'autres choses, que tu acceptes qu'il y a certains chaos qui s'organisent. Qui s'installe pour organiser quelque chose et quelque chose de différent. Voilà, et c'est comme ça qu'il faut peindre. C'est-à-dire garder cet esprit d'aventure. Si tu as la finalité de faire un tableau fini, c'est l'échec. Parce que c'est la répétition. Il faut se laisser aller en fait. Il faut se laisser aller jusqu'au moment où il va y avoir l'accident, jusqu'au moment où il va y avoir cette espèce d'incertitude qui va faire, mais que tu vas partir sur une autre voie qui va être autrement. Et c'est à partir de là où ça va prendre de la vie. Arriver à se donner la chance. Et c'est une chance qu'on peut avoir, mais à se donner du temps dans la vie. Ouais. Et du coup, je pense, s'enlever des choses qui sont en fait finalement superflues et d'essayer de se centrer, de se laisser cet espace-temps et en fait de pouvoir se connecter à soi et d'accéder à cette partie intime. Ouais. Moi, j'accrochais aussi avec votre projet parce que je ressentais aussi, c'était le côté changement. En fait, moi je sais que ça me touche les gens qui décident de faire d'autres choix et des choix différents. Et là de dire, ben vous, on arrête chacun nos métiers et on part vers un autre projet et avec nos enfants et à la rencontre d'autres. Moi je trouvais ça intéressant.
Et vous, vous allez choisir le monde que vous voulez de vivre. Ouais, le camping-car. Ah. Et comme une tortue, ouais, comme une tortue, c'est la grosse maison sur le dos. Terme de l'éducation, au sens où on l'entend, c'est-à-dire l'apprentissage scolaire, mais c'est une heure par jour. On nous fait croire qu'on est obligé d'avoir un cadre propre. Et je pense que c'est ça vraiment ce dont vous parliez, c'est que on a dans notre société actuelle une inquiétude de contenu. On a besoin d'acquérir plus de contenu, sinon on se sent vide. Et justement, je pense que l'artiste est au contraire de cette démarche, et c'est dans ce vide qu'on trouve vraiment l'expression de qui on est, de ce qu'on a de plus créatif en nous. Et encore, ce contenu est éphémère parce qu'on est en train de déléguer tout. On délègue notre mémoire, notre réflexion à l'ordinateur, tout est mis là-dedans. Oui. Et on croit, donc le jour où c'est en panne, on fait quoi là? Mais tous les génies de l'informatique, tous ces mecs qui sont dans la Silicon Valley, qu'est-ce qu'ils font de leurs enfants? Ouais. Eh bien, bonne idée. Ouais. Ils les payent à prix d'or des écoles de type Montessori, dans lesquelles tout outil informatique est interdit. Ouais. C'est savoureux, ça. Je pense que c'est un petit peu là où on voulait en finir, c'est-à-dire que on arrive à un moment donné, on voit dans le monde entier, il y a des crises, vous en parlez en Chine, etc., où il faut qu'on change un petit peu de modèle et qu'on écoute un peu plus large. Je pense que c'est ça, vraiment, qui... C'est la notion de sens. Voilà, sens. Logique aussi. Voilà, quel sens génère du sens. Parce qu'on en est arrivé à un moment donné où on a besoin de changer pour, si on veut continuer à vivre sur cette planète. Et je pense que c'est pour ça que vos témoignages sont très importants, parce que montrent que chacun a en eux cette part créative, mais qu'on a besoin de temps et de confiance. Voilà. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de visiter votre atelier. On voit vraiment là où vous créez, c'est ce qui est vraiment le plus intéressant. Tout le reste, c'est... Attention au tableau. Non, ne touche pas. Tout le reste, c'est... Non, non. S'il te plaît. Non. Putain. Welcome to my house, family. Welcome to my house. Welcome to my house.